Dans les années 80, Laurent Voulzy a eu une belle histoire d'amour avec Véronique Jeannot qui a duré une dizaine d'années. Mais avant, il a été marié avec Betty qui lui a donné deux enfants, Julien et Quentin. Julien qui a vécu un terrible drame en 2015. Le fils de Laurent Voulzy, qui est âgé aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, habitait alors toujours avec sa maman Betty, pour qui il a toujours eu une tendresse particulière. Malheureusement, en 2015, cette affection s'est brusquement arrêtée. Une triste matinée. La veille, sa maman s'était endormie sur le canapé tandis que lui s'était couché dans sa chambre. Et le matin, il l'a retrouvée dans une étrange position. « Je l'ai prise dans mes bras et à ce moment-là, elle a arrêté de respirer », a-t-il raconté. Terrifié, il s'est rendu à l'évidence. Sa maman venait de rendre l'âme à 71 ans alors qu'elle souffrait d'insuffisance respiratoire.